sais, j'adore Webflow et c'est vraiment l'outil que j'utilise tous les jours dans la création de sites internet pour mes clients. Et donc, l'idée, c'est bien sûr d'avoir un outil professionnel qui te permet de créer tout ce que tu veux, toutes les plus grandes animations, toutes les plus folles interactions que tu puisses imaginer peuvent être faites dans Webflow. Et donc, évidemment, Webflow, c'est un outil qu'il faut apprendre, c'est pas un truc super simple, c'est un outil professionnel. Mais quand même, ce qui est bien ces derniers temps, c'est qu'ils ajoutent des petits éléments pour nous faciliter la vie. Et donc, aujourd'hui, je vais te présenter des mises en page qui sont préfabriquées par Webflow. Et je voudrais te partager mon avis là-dessus, car je trouve que Webflow, ben, comme ça reste un outil professionnel, ce n'est pas du glisser-déposer tout simplement. Il faut comprendre un peu comment la plateforme fonctionne. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est que chaque projet que tu réalises, le code, le vrai code peut être exporté et donc c'est pour ça qu'il y a des contraintes à respecter. Le code, ça reste une technique qu'il faut apprendre, mais ici, Webflow le facilite parce que tu vas pouvoir travailler de manière visuelle. Et donc, si tu es un créatif comme moi, Webflow est vraiment fait pour toi parce que c'est une plateforme hyper complète qui te permet de faire plein de choses. Mais donc, il faut suivre un peu les règles et donc ça peut engendrer quelques complications, c'est tout à fait normal, ça s'apprend. Mais ici, donc, c'est plus simple. Il y a des éléments qui sont préfabriqués. Donc, par exemple, le menu navigation, quelques sections préfabriquées aussi pour mettre en avant une galerie d'images, l'accueil, etc. Je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran, comme ça tu verras un peu plus clair et tu verras comment bah, tu vas pouvoir les utiliser toi aussi si tu as envie de tenter le coup sur Webflow. Allez, bah, écoute, sans plus tarder, je te montre mon écran. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se trouve donc dans Webflow sur une page complètement vierge et donc on va commencer par exemple un projet et on va utiliser les éléments préfabriqués que Webflow nous a mis gracieusement sur Webflow. Et donc c'est super pratique, regarde, je vais aller ici dans le petit plus. Et tu avais déjà tous les éléments ici, pièce par pièce, que tu pouvais mettre sur le designer. Tu avais des symboles qui sont des éléments que tu peux fabriquer à la base et puis réutiliser de manière super facile. Et maintenant, on a aussi des layouts, donc des mises en page qui sont préfabriquées. Et là, bah, écoute, tu peux créer une page en quelques minutes. Je te montre un exemple. Donc ici, on a un menu. Ensuite, on va par exemple mettre ceci. Ensuite, on va mettre je sais pas moi, un élément ici pour la preuve sociale. Voilà. Ensuite, on peut, tu vois ici, en plus, c'est un petit raccourci, c'est que tu te mets sur le body. Et tu choisis un élément en plus et alors il s'imbrique en dessous chaque fois. Voilà. Newsletter. Et puis tu continues avec un formulaire. Et puis tu termines avec évidemment le footer. Voilà. Hop. Et donc voilà, tu te retrouves en moins de 10 secondes avec un site. Un menu qui est là, qui fonctionne, et avec tous les éléments préfabriqués que tu peux directement bah, customiser comme tu le souhaites. Alors, quel est mon avis là-dessus? Ben, moi, je trouve que c'est de assez pratique. Après utilisation, après test, ben, ils utilisent des éléments qui sont restrictifs. Donc, par exemple, tu as une section qui est là avec un conteneur. Et le container, tu ne peux pas changer les dimensions ici. Donc, si tu démarres avec ça et que tu as envie de jouer un peu, tu sais, au bout d'un certain temps, quand tu commences un peu à jongler avec l'outil, tu vas prendre tes marques et tu verras que c'est pas si compliqué que ça. Mais ici, le problème, c'est que c'est tous des éléments préfabriqués, et donc c'est pas censé être remplacé ou changé immédiatement. Donc voilà un peu la contrainte. Sinon après je pense que c'est super pratique pour prototyper, faire du maquettage. Je pense que c'est un plus, c'est sûr.
Parce qu'en même temps aussi, voilà, tu vois, la version mobile est faite aussi. Donc voilà, ça peut aider. Après, c'est pas l'outil, enfin, c'est pas ce que je vais utiliser à chaque fois, je pense. Mais au début, pour faire des tests, je pense que c'est une bonne chose. Donc n'hésite surtout pas à tester ça. Si tu as des questions, écoute, je sais pas si tu sais, mais j'ai une formation qui est en ligne et que tu peux acheter immédiatement et qui te permet d'avoir toutes les bases pour vraiment créer un site comme tu veux et devenir web designer nouvelle génération. C'est vraiment ça que je promouvois. J'ai envie de t'aider, voir vraiment de pousser les limites, de vivre de ta passion. Si ça t'intéresse, le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. Et donc, si tu as des questions, ben, n'hésite pas, je me ferai plaisir de répondre. Tout ce que je te propose, c'est vraiment super pratique. Et donc, c'est très clair et tu comprendras très bien en principe tout ce que je te propose. Allez, sans plus tarder, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!